Bonjour, je suis Alexandra Licha et je suis ici dans ma grange, dans le Périgord noir, où je donne aussi des cours de modelage sculpture et d'initiation au tournage de peau. Alors, pour présenter le cours que je donne au Forum Sévrien à Sèvres, je vais tout d'abord vous expliquer d'où me vient ma passion de la sculpture, du dessin d'abord, et ensuite de cours que j'ai pris aux ateliers des Beaux-Arts de Paris-Montparnasse. J'ai ensuite fait divers stages chez des potiers céramistes. Voilà. J'ai sculpté aussi de manière plus intuitive différentes pierres, le bois, mélanger les matériaux, puisque la sculpture, pour moi, est un mode d'expression complètement libre. Donc c'est une forme brute en grès avec des petits tentacules de verre à l'intérieur. Voilà. Alors, il faut penser la forme et puis pouvoir intégrer le verre dedans. Bonsoir. Bonsoir. Alors, si vous prenez des cours, on commencera par l'histoire de la céramique, puisque c'est une histoire qui commence à la préhistoire, avec les sculptures de terre dans les grottes. On pourra voir ensemble qu'est-ce que c'est que la terre et les différentes compositions de terre. Et ensuite, on passera aux travaux pratiques, bien sûr, où vous apprendrez à découvrir ces différentes terres en les touchant, en les travaillant et en les domptant un petit peu. Voilà. On peut faire des exercices techniques au départ avec le modelage d'une tête qui demande certaines contraintes, comprendre un petit peu l'anatomie du visage, notamment. Et puis ensuite, vous passerez à la construction d'une sculpture selon vos envies, à partir de vos dessins, à partir de formes que vous avez vues, observées dans la nature, ou formes que vous avez en vous. Car la sculpture modelage, encore une fois, elle est un mode d'expression extrêmement personnel. Voilà. Et ça fait le plus grand bien de s'exprimer de façon personnelle, les mains dans la terre. Voilà, alors si vous voulez nous rejoindre, c'est au Forum Sévrien, un mercredi sur deux, de 18 à 21 h. Voilà, avec un tablier. Et je fournis aussi les outils et les cuissons. Voilà, à bientôt. Tu en fais un dernier? J'en passe quelques jours. Oui, je comprends. Alors, j'ai du grès blanc, très chamoté. Allez, Jean, j'ai peur que ça va avoir du mal à les faire. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien celui-là. Celui-là, j'aime bien. Hein. Oui, très bien. Par contre, il faut faire les pieds. Le Mais pied ça, qui les va... pieds, je oui, peux les faire sans ça peut être être. assez massif. Ça, elle prend appui là. Tout l'appui est là en fait. Hein? Tout l'appui est là. Et puis la tête renversée, ça donne un beau. Il est pas mal, hein, celui-là. Oui, maintenant, ça suffit. Il est 2005. Alors. Ouais. Non, maintenant, j'en ai pas ça aussi, c'est chouette. Bon, ça ressemble. Ça ressemble beaucoup. Ça, non. Ça... Bon, il y a celui-là qui est pas mal. Hein. Il y a celui-là qui est pas mal. Hein? Pourrait être pas mal. Oui. Le visage de Myriam, pour l'instant, est à l'état d'ébauche. Un début. On va lui humidifier la peau et pour la retravailler. Donc il faut que la terre reste toujours humide. Voilà, là, elle peut être encore retravaillée. Hein. Je pense que c'est bon. C'est du grès chamotté. Il est fait pour la sculpture. Il se tient bien. Il est... Tu vas essayer avec ça. Et je vais te donner une petite peau de chamois aussi. Que ça risque de faire des petits. Regarde si ça te va. Si... Ça, c'est toujours mousse, là. J'arrive à le. Tu vois, ouais.
peut y aller avec le doigt aussi. Oui, je peux quand même avoir... La cuisson, il y a beaucoup de choses que tu vois plus. Tu vois beaucoup quand c'est cru comme ça, mais quand c'est cuit, c'est mieux, hein. Oui, c'est super. Les mirettes et les ébouchoirs. Fini, je pense que tu vas passer à autre chose, hein. Mm-hmm. Tu as quand même bien bichonné, là. Tu changeras plus les formes. Ah non, 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 c'est bon, hein. Non. Voilà. Tu vois, avec un coup de doigt, souvent, ça va plus. Avec un... au doigt mouillé. Au doigt mouillé, tu sais. Je me finis ma gueule parce que je dis, mon doigt, il était là pour moi. Je refais un petit tour. Oh, pardon, vas-y.